avoir un enfant handicapé avec une maladie rare, avec des problèmes, effectivement, c'est très prenant. Donc, quand on a, même si on n'a pas d'autres enfants, on a un mari, effectivement, donc, ou le mari a une femme. Donc, c'est une vie à part. C'est une vie, si on ne vit pas pleinement notre vie de couple, ça se retentira, il y aurait un retentissement sur l'enfant et vice-versa. Donc, c'est, enfin, on est très liés. Mais justement, comme on est trop liés, il faut de temps en temps avoir vraiment des moments à nous en tant que couple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Mais ça, il faut encore avoir les moyens de le faire. Donc, il faut avoir quelqu'un qui veut bien garder les enfants. C'est ça un petit peu le on peut pas le faire si on est tout seul avec l'enfant. Donc, il faut trouver des moyens pour s'échapper à deux, pour avoir une vie de couple, quoi. Ça, c'est très important. Dans la délétion, il y a beaucoup de familles dont les parents ont divorcé, plus que dans la moyenne générale. Parce que, aussi, on partage, hein. Donc, c'est pas toujours quelque chose d'équitable. Enfin, c'est pas que ce soit pas équitable, mais par exemple, moi, dans mon couple, eh bien, je m'occupe de Laura. Donc, je m'occupe de tout ce qui est médical, tout ce qui appartient au quotidien. Et mon mari, il gère la maison, il gère. On a une assurance, on a des comptes en banque, on va en vacances, voilà. Donc, lui, c'est tout ça. Et c'est, il va gérer les besoins de Laura. Ah ben, voilà, Laura, on sait qu'elle aura des plus de besoins, on sait que... Donc voilà, ça c'est, on va dire que le côté matériel, c'est lui, parce qu'il sait faire et que, voilà, c'est simple. Et puis le côté plus, maisonné, enfin, vie... Puis c'est une fille aussi. Donc c'est peut-être aussi, il y a un petit peu aussi ça, il y a un petit peu cette différence-là, quoi. Mais il a toujours été très, très à l'écoute. Maintenant, bon, faut pas lui demander peut-être de garder trop longtemps. Bon, c'est pas lui, ça, donc il fait ce qu'il peut, voilà. Mais on a chacun notre rôle.